Bon, comment je joue avec Mary là? Mary, viens m'aider. Je vais régler ça, je veux absolument que Mary vienne. Faut vraiment que je range le bureau. Oh. Un bébé T-Rex, tu vas devoir retourner dans la forêt. Ouais, c'est qui ça qui sonne encore? Allô? Oui, bonjour. Et hein? Oui, vous êtes bien à la Salty Academy. Siskat n'est pas là, il est actuellement occupé. Oui, voilà. Et bah, il est occupé, il fait des trucs d'occupation. Ferme-la, il est en train de caster. Hein? C'est pourquoi? C'est pour une demande d'aide sur un jeu vidéo en particulier? Sur Rainbow Six, d'accord. Quel est le nom de l'étudiant qui souhaite avoir un besoin? Squeeze me? Hein? Répète, Epel. Squeezie, d'accord, ok, connais pas, non. Ok, bah je vais. Bah on va aller lui filer un coup de main. Oui, bah je m'en occupe, je suis l'autre proviseur quand même. Ok, d'accord, bah j'y vais, ok. Allez, à tout de suite. À la Salty Academy, on aide tout le monde, même les plus petits. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Alors Mary, je vais t'écouter, je vais être ta petite pupute là. Donc tu me dis ce que je joue, tu me dis... J'adore ça. Alors déjà, un conseil. Quand tu joues à Rainbow Six Siege, ouais, je le dis à l'américaine, ça rend super ouais, bien. Ouais, ouais, c'est bon. Tu joues pas en otage. Ah oui, mais là, c'est bon, t'inquiète, on n'est pas en otage. Si, on est en otage. Putain. Ok, bah je vais jouer Fuse. Alors, c'est pas quand grave. Tu joues en otage, tu ne joues jamais Fuse. Ça fait deux trucs de merde en moins de deux minutes. C'est parfait. En tout cas, on est bien, on sait pas où ils sont. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. On est bien. Ok, ils sont sur la map. Merde quoi. Ils sont. Meilleure indication. Ils sont sur la map, trouvez-les. Allez, on va y arriver. Regarde derrière la porte là, on va faire un petit peu. Attends, mais attends. Wow. C'est moi, t'inquiète pas. Ouais, mais tu me fais hyper peur. Attends, est-ce que je peux mettre un fuse là, là-dedans? Non, il y a l'otage. Ah bah maintenant, évite. Parce que. Oh, regarde, il y a une petite caméra là, on peut pas la casser. Oh le salaud. Ça s'est très mal passé. Quoi? Jean-Paul, on arrive. Oh, en plus j'ai eu un bad timing. Il est arrivé pile à ce moment là en fait, là où j'étais. Je pensais pas qu'il me verrait quand en étant contre le mur. Je suis trop nul. Miskin. Oh merde. Alors comment je fais pour voir mes... Ok, mes potes. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a pu constater la magnifique ouverture de Fuse qui a permis le déclenchement de cette game. Fuse, un élément rare. Un élément comme on aimerait avoir souvent dans son équipe. Oh merde. Ah, ils arrivent pas en bas. Ah les salauds. Oh merde, j'ai bougé. Non. J'ai bougé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, je bouge. Wow. Jeff, wow, tout va bien Mary? Je te coupe Mary, je te coupe. Allez. Fais gaffe, il est rentré. Ouais, je fais gaffe. Il y en a un derrière. Ok, un right, around, smile, frying. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Il y a un blitz avec. Oh là là. Il y a un blitz. Ah merde. Ils sont deux boucliers mais ils se coincent dans la porte, ces idiots. Je veux voir ça de mes propres yeux. Oh, je t'ai mis une balle. Je suis désolé Mary. Je suis le pire teammate. Ça n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Oh, il y a une flash dans la salle de bain. Ça arrive aussi de la salle de bain. Attention. Vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. On est bien derrière ce bureau. Oh non. J'ai eu un mec. Bien wesh. Oh là là, j'ai eu deux mecs. On ne l'arrête plus. Attends, je suis bien là. Mon chat, il m'envoie de l'amour là en plus. Je suis bien, je suis heureux là. Ah tu l'as, il est à toi. Ah, oh non, dommage. C'est bon. Benny qui a eu le temps de le voir, qui l'a eu. Bien joué Benny. Oh ils sont là. C'est mon kill. Des balles, gros. Oh mais non. Mais je l'ai pas vu. Mais sérieux? Ah, voilà. Tu l'as eu bien wesh. Ouais, c'est vrai qu'il faut beaucoup pré-shot dans le jeu. T'es en place? T'es solide sur tes appuis? Ah ouais, je suis bien là. T'avais quelle note en EPS au lycée? J'avais 12. Ouais, t'es pas ouf non plus alors. Bon, non. T'es prêt? Tu me couves, t'es prêt? Il y en aura pas. Ah, attends. Oui, oh, il va lui. Ah, bah, bien. Waouh, il a tellement de courage. J'admire. Eh bien, je me suis infiltré. Je suis avec toi. Oh, FTP. Ils savent pas qu'on est là. Ok, je suis avec toi. Ils savent pas! Je te l'ai volé. Tu l'as eu. Non, j'en fiche. Je peux pas chalumoter ça là? Ce truc là? Chalumoter. Je peux chalumoter ou pas ça? Oui, chalumote. Fais gaffe, y'a un mec. Et ça aussi, je peux chalumoter ça? Ouais, tu peux chalumoter tout. Mais ça va le casser en fait. Ouais, mais tu peux chalumoter. Je le chalumote et je rentre, ok? T'es prêt? T'es prêt? Je regarde, vas-y. Merde, je me suis trompé d'arme. Il vise mes pieds! Attends, chalumote le bois. Ah oui. Voilà. Bon, y'a personne, mais au moins on a chalumoté. Il m'a fait peur! Je vais le tuer. Oh là là! Oui! Oui! Nouveau chargeur! Excitation. Là, il est passé.
Voilà, tu tires sur le mur. Ouais, je sais, je sais. Concentre-toi. Attends, j'ai fait une bande. Mais faut qu'il bouge, Ben. C'est ta Pro League là. Et c'est la finale. C'est ton match. Il va m'en faire malin, lui, je te le dis. Il sait pas. Ah, j'ai eu peur. Pardon. Reste-moi, frérot. Raise me. Oh non, Benny, non. Benny, c'est pas grave, c'était une belle game, j'avais tout donné, j'ai fait des kills et tout, c'est pas grave. C'était propre. Vous ai-je déjà parlé de ma lampe magma sur le live? Je vous en ai déjà parlé ou pas? Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Un accessoire qui revient à la mode depuis 2006 et qui, le saviez-vous, a été créé dans les années 60. Eh oui. N'hésitez pas en tout cas, hein, je veux être votre référence en lampe à lave. N'hésitez pas. Ah bah moi je sais tout de la lampe à lave, mec. C'est vrai? Je peux te dire que la lampe à lave, c'est un objet de design décoratif inventé par exemple en 1963, je crois, par Edward Carven Walker. Bien! Qui est le fondateur de l'entreprise britannique de luminaires Matnos, de mémoire. Bien! Ok, qu'est-ce que tu peux me dire sur le cure-dent et l'inventeur du cure-dent par exemple? Ouais, attends, on se concentre sur cette game. Vas-y, on se concentre sur cette game. Et je te dis ça. Ok, c'est pas le temps d'ouvrir une page Wikipédia par hasard. Non, pas du tout. Non, ok. Excuse-moi. Ok. Non, je veux pas t'offenser, mais je me suis dit peut-être que. Enfin, non, voilà. Non, je m'y connais super bien en tout en fait. Ok. Pas de soucis. Tu peux me poser n'importe quelle question. Y'a aucun souci. Voilà. Mais oui, c'est vraiment ce gars-là, et les gens le chat. Oui, c'est vraiment ce gars-là, c'est pour ça c'est drôle. Blitz sur moi, mort. Bien, ouais. Il y a un mec avec son shield là de merde là. Il est en train de donner les infos probablement. Il y a le montagne qui est là. Ok. Il joue encore deux shields les mecs. Mort là, je l'ai eu. Ok, bien ouais, ouais. Je suis sûr, mais à Captain, il y a des bruits là, ils font des travaux ou quoi. Bon, je l'ai eu. Oh bien t'inquiète joué. T'inquiète pas, tout va bien. J'arrive dans son dos. Ouais, t'arrives dans son dos, ouais. Tu l'as eu. Pauvre type, mon pote, t'avais fait le tour, pauvre fou. Tiens, y'a un lapin. Ouais, mais non, on s'en fiche en fait. On s'en fout, mais c'est pas mal, c'est une bonne info. C'est une bonne info. On a un doc. Doc, can you heal me? I need a heal. Ah ben, oh, au revoir, doc. Il va mettre une tête, mon pote. Non, tu sais, ramasse un de tes alibis, tu les mets devant l'escalier. Ah ouais. Attends, moi je vais tirer un peu pour l'emmerder en attendant. Voilà, hop. Fais gaffe, grenade. Vas-y, parfait. C'est bien. Ah, pauvre type. Hey. Allez hop. Allez, c'est bon là. Je lui ai envoyé du sel sur lui. Il s'est pris du sel. Allez, on donne tout. Il y a 2-2, c'est la manche décisive. Et je joue Maestro, un personnage qui aime le cigare apparemment. Et alors, moi, je peux vous parler du cure-dent si vous voulez en attendant. Un cure-dent, c'est un petit bâtonnet piquant aigu qu'il est possible d'introduire entre les dents, justement. Hein, et ainsi retirer les résidus, les particules alimentaires démesurées prises entre celles-ci. D'accord. Ouais. Qui est son créateur? Le créateur du. Tu lags sur Discord, bon, c'est pas grave. Très bien, avant la prochaine manche, j'aimerais que tu nous donnes des infos sur le Sopalin et son créateur, s'il te plaît. Bien sûr. Bah, je peux le faire dès maintenant, mais attends, j'aimerais me concentrer un peu sur cette phase de préparation qui me paraît très importante. Ils prennent oh, y'avait un mec bon. Oh, y'avait un mec, j'ai failli crever. Je te jure qu'il y avait un mec. Alors lui, mon attention, petit pote. Je laisse passer les boucliers, je vais les avoir dans le dos, normalement. Ok. Putain, j'ai cru. Surprise! Putain, c'est malin ça. Oh non, ça m'a mis à terre, je vais mourir d'une mort violente. Oh non! Oh non, on vient de sauver. Oh non, là je suis mort par contre. La grenade là. Oh non! C'est pas grave. Oh non! Oh non, ils étaient deux! Et Benny qui est tout seul, là c'est compliqué. Il y a eu des morts à droite, il y a eu des morts à gauche. Par où ça va arriver en premier? Il va se faire surprendre, c'est sûr. Le temps qu'il vise. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué, quoi? Allez, qu'il fait? Pourquoi il est... Allez, Ben. Alors là, ce qu'il fait, c'est une erreur de rester bloqué dans un angle comme ça, sous une ouverture de porte. Ouais. Il devrait se mettre du côté de l'otage, tu vois, par exemple. Ouais. Ah, c'est pas très malin. Mais regarde, il est... Ouais, il me donne mal au cœur. Hein. Ah ouais, il dit... Ouais, je vais regarder l'autre, moi, plutôt. Calme-toi, Benin. Benin. Je sens que Benin, il va crever dans très peu de temps. Sûr. Qu'est-ce qu'il regarde, Benin? Regarde ta porte. Voilà. Mais il y en a un à gauche du caverne, je pense là. Oh dommage! Ah, il savait! Sacré flûte de peau. Oh non, mais lui c'est fini, lui. Lui, Bénin, c'est. Mais pourquoi il regarde là-bas? Mais pourquoi Bénin il fait ça? Le temps qu'il scope, il sera dead! Bénin, don't look là-bas! Look at. Non! Look at là! Voilà. Vois, mes infos sont très bonnes, c'est très. Mais oh là là! Oh! Il est plus nul que moi! Oh, ça me fait du bien! Pouvons-nous avoir des nouvelles du Sopalin, Mary?
Ah, le sopalin, ah bah oui, bah. Alors le sopalin, il faut savoir que c'est la société de papier, du papier linge française, hein, la papeterie de Darblay, qui était dans l'Essonne en 1946 par exemple, elle a commercialisé un essuie-tout et des mouchoirs en ouate de cellulose. Alors c'est très intéressant, hein, j'entends parler plus tard de l'ouate de cellulose. Alors la marque Sopalin, c'est un acronyme en fin de compte. Attends, hein. Pause, hey, tu sais que tu fais vraiment bien ce perso, c'est impressionnant. On dirait vraiment que tu sors des infos que tu connais, quoi, et pas que t'es en train de lire un truc. Tu devais être super fort en exposé. J'adore jouer la comédie. Ah bah là, ça se voit. Ah bah là, là, il est pour là. Hein.